Et salut à tous, c'est Rio et ce soir, nous retrouvons pour The House of the Dead 2, la maison de la mort. Alors avant ça, en fait, je vais chercher ma télécommande parce que c'est vrai que c'est un peu fort. Je vais passer devant la caméra, tant pis. Alors déjà que l'ambiance assez forte. Donc salut à tous, c'est Rio. Donc on se retrouve pour un test de The House of the Dead 2 sorti sur Dreamcast en 1998-99. Donc c'est un jeu tiré de l'arcade. Il se trouvait dans les salles d'arcade. Il se jouait au gun. Alors je vais vous montrer un exemplaire de flingue tout à l'heure. J'ai un flingue. Et malheureusement j'ai pas pu jouer à l'époque. Donc voilà, il se jouait dans les salles d'arcade. C'est vraiment une. Bon là on peut le dire une repompe. Mais dans le bon sens du terme en fait. C'est vraiment l'arcade à la maison si vous voulez. C'est vraiment le jeu comme il est sur arcade, qui a été totalement retranscrit sur Dreamcast en fait. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. D'autant plus, donc voilà, qu'on retrouve le mode arcade du jeu original, que je vais vous faire juste après. En plus, on a un mode original, parce que c'est vrai que bon, c'est un jeu d'arcade, la durée de vie n'est pas très longue, donc c'est vrai que le contenu du jeu aurait été un peu trop faible, je pense. S'il n'y avait qu'un type de mode de jeu dans ce jeu, c'est un mode entraînement bien sûr, comme souvent. Un mode boss où là vous pouvez affronter les boss que vous avez déjà battus. Un système de rang et les options. Voilà en gros. Alors avant d'aller plus loin, je vais faire un point en fait, je vais vous dire que. Je prépare un nouveau projet là, de vidéo. Nouveau projet, un nouveau let's play en fait. Let's play playthrough qui est en parallèle en fait avec celui de. Avec le playthrough de Final Fantasy IX. Et donc voilà, je me suis dit, je vais faire un petit playthrough en fait en même temps, à peu près en même temps que j'ai terminé. Rassurez-vous, voilà, que je. Enfin. Voilà, vous savez que j'ai la tournée maintenant. Je voulais pas vous dire que j'avais déjà tourné, mais bon, je l'ai déjà tourné. Donc c'est un court let's play qui va être. Enfin, vous verrez, je mettrai une vidéo par semaine, je pense, le week-end. Mais ne cherchez pas à trouver quel jeu je vais vous présenter, ça ne servira à rien, vous ne trouverez pas. Voilà, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez, vous pouvez chercher. Et vous ne trouverez pas. Donc ce sera la prochaine vidéo que vous verrez hors Final Fantasy IX. Voilà. Donc sur ce, on va pouvoir lancer mode arcade. Alors lui, je l'aime pas du tout là. On va essayer à 12 peut-être. Et c'est parti, merde, rien de plus. C'est parti pour la chasse aux zombies. Alors je sais pas. Je vais faire pause. J'ai pas bien cadré en fait. Le cadrage un peu mieux, voilà. Hop.
Donc, qu'est-ce que c'est que ce House of the Dead 2? Donc, en gros, voilà, vous êtes un mec du FBI, James. Et vous devez défoncer du zombie. Vous devez en plus sauver les humains des attaques zombies. Thanks, G. Donc là, par exemple, voilà, j'ai pas pu le sauver. Ah, je sais pas s'il est mort. Ah, désolé, mon gars. Eh merde, il est mort, ok. Donc, c'est vraiment un titre d'arcade, c'est vraiment le fun qui est mis au rendez-vous. Vous n'avez à vous soucier de rien d'autre. C'est vraiment du défouloir, grandeur nature, c'est vraiment l'arcade à la maison. À l'époque, donc sur Dreamcast, vous ne trouvez pas d'équivalence. Il n'y a pas de jeu concurrent à l'époque. C'est vraiment à une époque où Sega est vraiment leader en termes d'arcade. Enfin, leader, il y avait quand même. Ah, tu sais, continue. Il y avait quand même d'autres éditeurs, bien sûr. Comme Namco, Capcom, etc. Mais c'est vrai que à cette époque. Faut pas le tuer, lui. À cette époque, Sega était vraiment au meilleur de sa forme avec son système Naomi, donc qui est le système arcade équivalence à la Dreamcast en fait. Ce qui fait en fait que dans les codes du jeu, vous avez régulièrement le mot Naomi qui apparaît, parce que c'est à la base un jeu d'arcade. Donc il peut y avoir quelques ralentissements. Et merde. Alors lui, il va falloir le battre. Judgment. Donc en fait, on se rend compte vite que c'est le petit qu'il faut taper parce que le grand est invincible. Je trouvais pas que on dirait Firebrand, le espèce de petite chauve-souris, là, le petit truc là, petite gargouille. Merde, j'ai pas réussi à l'avoir. Ta gueule. Vas-y, cache-toi. J'ai pas parlé du gameplay, le gameplay est très simple. Et merde. Gameplay très simple, vous avez un bouton pour tirer, un bouton pour recharger. C'est tout. Je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Putain. Il reste encore des crédits. Allez, t'es plutôt fini, mon gars. Voilà. Laisse le petit. Faut le bourriner à mort. Putain, salaud. Voilà. Sir Gold. Amy, Harry. Ça, c'est nos deux potes qui viennent nous aider de temps en temps. Parce qu'il y a une espèce de scénario. En fait, il y a un scénario qui suit le premier volume, premier volet plutôt. Le volume, c'est pas un livre. Hein. Le premier volet
de la saga, parce que c'est une saga maintenant, The House of the Dead. Donc vous en avez 4 ou 5 aujourd'hui, je sais pas exactement, je sais plus exactement franchement. Et donc le premier, donc c'était sur arcade, est sorti sur Saturn. Donc le deuxième sur Dreamcast, et le troisième, quatrième je crois, est sorti sur Xbox, je sais pas trop. Ah, je l'avais un truc. Voilà, il faut sauver. C'est bon. Et si vous sauvez des habitants, ils peuvent vous donner de la vie. Des vies en plus. Donc, c'est non négligeable. Donc voilà, où je parlais niveau gameplay. Vous avez un bouton pour tirer. Le bouton A en fait, le bouton B pour recharger. Et en fait, vous avancez tout seul. C'est, si vous voulez, c'est un... C'est comment on appelle ça? Eh merde. C'est un rail. Là, on a un pseudo-boss, là. Voilà. Donc, je sais pas vous, mais moi... Le décor me fait clairement penser à un petit village italien. Regardez-moi ces ruelles et tout. Ça fait petit village italien. Ah oui, c'est vrai que c'est... Putain, dégagez. Tous les animaux dans ce jeu sont vos ennemis. Oh, c'est pas vrai. On est 5 continues, je vais pas aller très loin. Pas en forme. Je suis pas en forme du tout. Donc au niveau scénario, donc dans le 1 en fait ça se passait dans un manoir, le manoir de Curienne. Il y avait d'étranges transformations et tout. Et en fait, dans le second épisode ici, ils sont rapides ces cons. Dans le second épisode, vous êtes... Merde, la clé. Vous êtes du coup dans une ville, je pense que c'est une ville du type Venise. On verra après normalement. Parce que vous verrez. Et il y a un milliardaire du nom de. Enfin. Un businessman du nom de Goldman ou je sais pas quoi là. Monsieur Goldman. Qui a repris l'entreprise en fait, les opérations, qui a repris les comment on appelle ça, les expérimentations, enfin les, ah comment on appelle ça, les expériences génétiques quoi, c'est comme ça. Et donc voilà, donc les zombies sont ont envahi la ville. Regarde, on dirait Venise. On dirait les canaux de Venise. Avec les gondoles. Je pense que ça se passe à Venise. Dans une ville qui leur ressemble beaucoup. Alors, le gros point fort du jeu, bon, autrement que ce soit un jeu vraiment... vraiment tourné vers le fun, un jeu d'arcade, c'est qu'on pouvait jouer à... Ouais, donne une vie. On pouvait jouer à deux. Regardez, si vous regardez à droite, c'est marqué Press Start bouton. Alors en fait, un second joueur peut intervenir à tout moment en fait. Là, il y a Piranha, sûr, il va vous bouffer aussi. Merde, j'ai tué, voilà, j'ai perdu une vie. J'ai tué un humain. Alors, qu'est-ce que je disais du coup? Ah oui, que bah, le jeu ça joue à deux joueurs. Et c'est... Moi j'ai pas eu la chance de pouvoir y jouer à l'époque, sur la Dreamcast. Mais j'imagine même pas comment ça devait être super fun d'y jouer à deux. Et les deux avec un flingue quoi. Parce que le gros point fort, c'est vraiment le flingue. Là, je joue à la manette. Et bon, c'est vrai que c'est pas la même expérience, quoi. Faites avec votre flingue, bah, je vais vous montrer le flingue.
Mais malheureusement, je peux pas vous montrer comment on joue avec le flingue. Parce que tout simplement, Sega n'a pas prévu que le flingue serait compatible avec les télés haute définition, les télés écran plat. Elles sont. Moi, quand j'ai acheté le. Quand j'ai acheté le. Le... Il faut percer le truc. Merde. Quand j'ai acheté le flingue, je pensais qu'on pouvait jouer avec les télés d'écran plat. Or non, c'est plus possible. C'est pas possible du tout. Putain, bande de salopards. C'est pas vrai. En fait, faut en même temps s'occuper des piranhas. Ah là. Là, c'est assez chaud. Faut faire vraiment au bon moment. J'ai plus que 2 crédits déjà. Je vais pas être très loin. Ah putain. Ah non, c'est chaud, c'est dès qu'il ouvre son truc, en fait, si on n'arrive pas à l'avoir, il va nous toucher forcément. Putain, allez, j'arrive pas. Voilà. Voilà, c'est bon. Celui-là, il est assez chiant parce qu'il ouvre, vous avez vu, il ouvre son bide de temps en temps. Mais pas systématiquement, quoi. Live bonus, un seul. Voilà, donc vous connaissez à peu près l'essentiel à savoir sur The House of the Dead. Au niveau durée de vie, il n'est pas très très long. Il doit y avoir. Je crois qu'il y a 4 ou 5 chapitres. Il se termine très rapidement, quoi. C'est, ouais, celui-là, c'est un jeu d'arcade. C'est un jeu d'arcade, c'est. Voilà, vous alliez en fait en salle d'arcade, vous mettiez une pièce et vous y jouiez à deux tranquillou une après-midi quoi. Putain, j'attendais pas celui-là. Pas celui-là non plus. Ça va, Harry. Mais en fait, j'aimerais avoir. Merde, je voulais avoir les caisses. Oh merde, j'ai tué le gars. Bon, les graphismes peuvent sourire un peu aujourd'hui, c'est vrai que c'est un jeu de 98. Par rapport à House of the Dead. Oh putain, c'est pas vrai, je voulais pas le tuer. Par rapport à The House of the Dead 4 ou 5, c'est un peu de la rigolade quoi. Mais à l'époque, on s'en contentait. Comme je vous disais, il n'y avait pas d'autres. Il n'y avait pas de jeu concurrent à l'époque. The House of the Dead, c'est vraiment particulier, quoi. C'est un jeu d'horreur arcade, quoi. Voilà, c'est un jeu d'horreur à façon arcade. Reload. Merde, c'est pas ça. J'ai plus de crédit. Non, moi, je suis dans la merde. Je voulais aller un peu plus loin. Non, mais je l'aurais mérité. De toute façon, dès que je filme, je joue mal. C'est obligé. Ah, eux ils sont assez chiants les gros, ils sont résistants. Faut le viser dans le ventre, je crois. Ouf, je fais la tuer. Tu me donnes une vie, ma petite. Non? Putain. Bon bah voilà. Game over. D'habitude, j'arrive bien plus loin que ça. J'ai très mal joué. Bon, vous voyez, là, on peut aller prendre différents chemins, en fait. Qui, en fait, sont conditionnés, en fait, suivant... par exemple, si vous tuez sans faire exprès un humain, et eh ben, le scénario va un peu changer, en fait. Ils vont faire passer par un autre chemin, etc. Enfin, c'est assez bizarre à expliquer, mais c'est ça. Non,
Si, franchement, si vous avez une Dreamcast ou que vous pensez jouer en émulation, je ne sais pas, The House of the Dead, c'est vraiment une bonne licence made in Sega niveau arcade, quoi. C'est vraiment de l'éclate pure, quoi. Bon, allez, vu qu'on a un peu le temps, je vais vous faire un boss. The House of the Dead. Boss mode. Alors celui-là c'est celui que j'ai battu tout à l'heure. Celui-là aussi. Celui-là c'est à peu près le même. Je vais vous faire celui-ci. Il fait un peu peur au début, mais en fait c'est super facile à le battre. On dirait un hydre. Plusieurs têtes. En fait, c'est tout simple. Il faut niquer la tête qui est en train de charger. Voilà, merde, je me suis fait avoir. Voilà. Et ils vont aller de plus en plus vite, et jusqu'à ce qu'il ait plus de tête. Oh, ok, mais je t'ai fait mal, ben. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Je te vise. Bon, ok, j'ai même pas eu le temps de riposter, là. Bon. Bon, j'étais très mauvais sur ce coup-là. Je vous assure que d'habitude, je joue beaucoup mieux que ça, mais bon. On va se quitter là-dessus. Ah non, je voulais vous montrer le fond. Alors attendez. S'il y a bien un jeu où le flingue, il sert, c'est bien celui-ci. Alors, je vous montre. Je sais pas si on va faire quelque chose. Je vais allumer la lumière, ça sera mieux. Ah là là. C'est du travail d'amateur, ça. Donc voilà le flingue. Vous le prenez comme ça et vous tirez, hop, comme ça. Vous rechargez en faisant ça, mettant hors de l'écran. Hop, et vous tirez comme ça. Et en fait, à l'arrière, là, vous mettez la carte mémoire. Voilà. Par contre, je sais pas si c'est vraiment. Non, c'est pas le flingue officiel. Il y a une marque là. Mad Cat, c'est pas le flingue officiel. Il y a eu beaucoup de flingues pour y jouer. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo sur House of the Dead 2 vous aura plu. Ce test. Et donc, prochainement, vous retrouverez le nouveau Let's Play. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine les amis. Allez. À très vite.